Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Stardew Valley. Donc j'espère que cette fois on va pouvoir aller chez Robin et que le problème est réglé. Il y a eu une mise à jour depuis, donc j'espère que ça va suffire. Donc il neige, nickel. Donc on va y avoir nos petites poulettes parce que pour le moment on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les petites plantations d'hiver, quoi, on va dire. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Hop, hop, on ramasse ça, tac. Salut toi. On va aller caresser les petites poulettes. Ah, oh, elle attaque pas avec ton épée. Non mais, non mais, non mais, non mais. Il a craqué lui. Ah, j'en ai pris de trop. Ouais. Pourquoi tu veux pas poser le foin? Hop, hop, hop. Voilà, des fois ça ne veut pas. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Au revoir les poulettes. Alors, est-ce qu'il y a des petits vers quelque part ou pas? Il y a pas l'air, il y a des glands, mais bon, des glands, j'en ai pas besoin de beaucoup. Ah, il faut vraiment qu'on arrive à avoir les espèces de trucs cristallins, là, pour pouvoir faire les nouvelles pousses, quoi. Hop, ça, on va pouvoir vendre ça. Tac, tac, tac. Alors, il y a aussi notre petite vache à aller voir. Hop, on va vider ce slot. Alors, t'as quel âge maintenant? Un mec. Hein? Donc ça veut dire que c'est un garçon, que c'est pas une fille. Bon, en tout cas, elle est plus... C'est plus un bébé. Donc je sais pas comment on fait du coup pour avoir du lait. Comment ça se passe pour la traire. C'est ça que je voudrais savoir, c'est comment on fait. Mesdames et messieurs. Je clique sur les tonneaux, sur les différents éléments, voir. Quand c'est que le jeu est la moitié en français? Donc ça veut dire que... Je sais pas trop. Du coup. Je suis embêtée. Du coup. Là, il y a toujours un truc qui est en train de se faire là-dedans? Ouais. On avait mis un truc une fois, donc ouais, c'est toujours en cours. Hop. Bon. Bah, c'est pas grave. Hein. On va mettre ça à vendre. Hein. Non. Hop, hop. Ouais, non, on va se faire des omelettes parce qu'en vrai, je pense qu'on va aller à la mine. On va essayer d'aller dans les entrailles de ce truc. Un peu plus. Hop. Hop. Allez, c'est parti. On y va. On y va, on y va. On va passer par le haut de la ferme. On ira plus vite. Ouais, si je peux passer derrière, ouais. Hop! Allez, on y va! Let's go, les gens! Ah là 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 là! Ah, il y a un petit verre! Ah! Oh, pff, un bouquin! Ouais, je crois qu'ils l'ont déjà eu, mais bon, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ta-ta-da. On va plutôt s'équiper de ça. Bon, allez, on va essayer de descendre de quelques niveaux. Écoutez. On va en profiter pour ça. On est au niveau 75. Je sais pas du tout combien il y a de niveaux. Ça, par contre, j'aimerais bien savoir, j'avoue. Ça pourrait être bien. Donc, par là, il n'y a rien. S'il te plaît. On log maintenant, on passe à travers les cailloux. Ouais, j'ai pas tout compris. Ah! Du coup, il n'y a pas de... Ah bah, nickel. J'allais dire, il n'y a pas de sortie, mais si, c'est bon. Ouh. Oh! On me fiche la paix, là! Pas d'accord! J'ai dit que j'étais pas d'accord! Voilà, merci! Je suis pas du tout en train de rager. Donc normalement c'est du quartz. J'ai l'impression que le jeu avec la mise à jour ça a encore dû foirer la traduction du jeu. Il y a un petit slime, il y a une caisse là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en dehors du slime à tuer? Allez! Merde, merci bien. Ouais, il y a un petit problème. Il est à moitié français, moitié la langue d'origine du jeu. Donc je sais plus c'est quelle langue. Excusez-moi, je suis pas...
une experte en la matière. Pas d'échelle? Pas d'échelle pour le moment. Ok, donc il faut la trouver. Allez, on casse du caillou, mesdames et messieurs. Ah, là-bas, il y a des caisses. Hop, on va aller casser tout ça. Ouais. Rien d'extraordinaire. Allez, donnez-nous une sortie rapidement, s'il vous plaît. Qu'on puisse descendre de pas mal de niveaux, ça serait sympa. Et essayer d'avoir d'autres minerais, ça serait bien aussi. De l'or, par exemple. Parce que c'est ce qu'il va nous falloir. Après. Bon, soit vous nous amenez des... Ah, ça y est. Wouh! Oh, un fantôme. Bon. Allez, tout. Hop. Ah non, c'est le truc bleu qu'il nous faut, je crois. Qu'on n'a pas, qui nous manque. Pour pouvoir faire la pousse hivernale. C'est quoi, ça? Ah, ça va m'embêter parce que du coup, je vais pas savoir ce que c'est. Ah, il va falloir que je regarde entre... pour pouvoir réparer le problème. Tac. Est-ce que c'est de l'or, en fait? Ça tombe, c'est des bouts d'or, vous voyez? Quoique. Ouais, si, le fer, il est comme ça, et le cuivre, il est comme ça. Donc, en vrai, ça peut être de l'or, hein, ça. Hein. Bon, je me dis. Tac. Ah, on a entendu une chauve-souris. Ah, Batman, tu m'enquiquines. Voir Catwoman. Et laisse-moi tranquille. Bon. Toujours pas de sortie évidente. Ah, j'ai esquivé le fumier. Allez, mes mères. Hop. Ah, j'aime pas du tout le fait que ça soit moitié en langue. Je sais pas quelle langue, là. C'est une honte, je ne sais pas. Hop. Allez, on casse tout ça. Oh, allez, donnez-moi une échelle. Bon sang de bonsoir. Allez. Ah, yes. Ouais, il y a du fer ici. Au pire, on pourra mettre à vendre. Donc, je vais ramasser, vous savez quoi. Wow. Allez, merci. Merci de ta contribution, Alphonse. Tu es mort pour la bonne cause. Alors, 78, on en est. Hop. Ouais, en vrai, je me mettrai avant de le faire, écoutez. Hein, parce que franchement, je vais pas en avoir lucidité, on va pas se mentir. On peut pas passer. Mais... Bon. Allez. Meurs. Ouh, nos HP. Ouh. On va en manger une deuxième, hein. Alors, ce cadenas. Ouais, du charbon. Super. Youhou. Trop bien. Alors ça, c'est quoi? C'est du cuivre. Vu la tête du truc. Hop. Bon, ça, je te casse pas, c'est les cristaux, ça sert à rien de gaspiller de l'énergie. Faut qu'on casse tous les cailloux. Allez. Qu'on aille au moins à la couche 80, quoi, vous voyez. Ah. Allez. Yes. Ça, c'est bon, parce qu'avec la batte, on les tue en deux coups. Les chauves-souris, ça va beaucoup plus vite. C'est plutôt bien. Hop. Yes. Bon, ça, on en a déjà eu.
Donc il faut que je casse ça. Pff, ouais. Ça ne donne rien de transcendant tout ça. Hein. Bon, tu viens? Ou tu viens pas? Hop! Bon. Cassons la caillasse. Cassons la caillasse. Ah, je pense que c'est de l'or, hein, du coup. Hein. C'est bizarre, on en a encore eu, là. Ah, ça, c'est les géodes spéciales. Mais il y a une suite. Mmh. Ah, on est presque à la 80, sérieux. Ah, viens là! Viens! Mais là! Oui, oui, tout à fait. Je m'appelle par mon prénom, tout à fait. Waouh, super. Mais j'en ai marre d'avoir été trucs à la schtroumpf dans les caisses. J'aimerais bien avoir un truc potable, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Hop, il y a l'échelle. Donc, c'est cool, on va être à la couche 80. Botte marche-feu. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'elles ont comme... Ah, elles ont plus d'immunité parce que je me souviens que là, la petite lune, la rose, c'est l'immunité. Donc, elles sont mieux que celles qu'on a. Donc, bah, c'est good, hein. Bon, bah, voilà. On a validé le 80. Bah, écoutez. Hop, on rentre à baraque. Sortir de la mine. Hop, allez, c'est parti. On rentre à la maison. Vu l'heure qu'il est, on va passer par le centre-ville. On va descendre par là. Comme ça, on va essayer de voir s'il n'y a pas des verres quelque part. Histoire de les ramasser si on a. Non, faut que j'arrête. Je vais chanter des chansons de Noël après. Alors, du coup, on en a 4. Donc, il en faudrait un autre pour pouvoir voir si avec du charbon, on pourrait le faire cuire, en fait. Enfin, c'est de l'or. Parce que vu que le jeu est à moitié bugué, là... Je pense que je vais réinstaller le traducteur. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de verre quelque part. Les gens se baladent, ils ont des petits chapeaux et tout. Sur leur tête. Ah, du houx, je crois que c'est ça. Ah, 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 il y a une quête, attendez. Bon, je sais pas si c'est 32 cuivres ou quoi, donc je vais attendre, je vais pas prendre la quête. Enfin, j'en ai un petit peu marre d'aller ramasser du cuivre pour Clint. C'est bien, ça nous rapporte un peu de thunes, vous voyez, mais c'est pas ma priorité. Alors, pareil, le personnage mystère, là, je suis les traces. Je vais là, tac, tac, tac. D'après ce que j'ai compris, il est censé être dans le coin et je le vois jamais. Donc, on m'a dit dans les commentaires que non, il n'y avait pas de délai en fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un parce que, enfin, il est nulle part quoi. Et tu te caches là, copain, faut que je te parle. Bonjour, bonjour. Je suis gentil, je veux pas te faire de mal. Je peux même te donner à manger si tu veux. Non, ça marche pas. Ça ne la pâte pas. C'est triste. Alors. J'ai vraiment l'impression que je me suis foirée en beauté. Bon. Bon, bah écoutez. Je vais vendre ça, le quartz, je vais le vendre. Ça, je le vends, je le vends, je le vends. En train de galérer pour savoir si je vends ou pas les trucs. Ça je vends et ça comme je sais pas ce que c'est, je ne vends pas pour l'instant. Voilà, on va faire ça. Ah, c'est ça, hein. Il me manque un truc, hein. Hop, les bottes, on les fout là-dedans. Ou de la sève, on en a tellement. Mais ça, je suis convaincue que c'est peut-être de l'or, hein. Et ça, c'est une géode qu'il faudra amener à Clint, du coup.
Bon voilà, donc on va faire dodo et je vais faire une petite ellipse pour réessayer de revoir bien le jeu en français. Histoire qu'on soit tranquillou, vous voyez. Notre petit chien qui fait bien dodo, tranquille. Alors, une petite somme. C'est quoi ce son? Vous avez entendu comme moi le son là? Bizarroïde. Ah, quand même, 1500 gold. Ah, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, hein. Voilà, donc je fais une petite ellipse et je vous reprends après. On se retrouve pour la suite de l'épisode. Donc c'est bon, j'ai refait le petit truc. Et voilà, on a tout bien en français. Donc on va pouvoir aller voir ce que c'était. Voir si c'était vraiment de l'or ou pas qu'on avait eu dans la grotte. Ah, on a un courrier et on a une des confitures qui est prête. J'avais fait une confiture gelée de framboise. Ok. Je crois pas que j'en ai besoin au niveau du centre communal. Mais on va la garder quand même, vous savez quoi. Hop. Donc on va y voir nos poulettes. Ah, puis avant on va... Ah, si, 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 ça. Ouais, minerai d'or, on est bon pour l'or, yes. Attendez, par contre... sais plus combien il nous faut de charbon par rapport au... Non? Bah... Ah, voilà. Ouais, donc hop. Parce qu'il va nous falloir un minerai de fer, de cuivre et d'or pour la quête des Juminos. Donc là, j'ai fait le cuivre, hein, si j'ai pas de bêtises. À moins que je perde la tête. Voilà, donc on va aller voir les petites poulettes, on va aller les nourrir. Oh, là, on a un petit ver de terre. Et... éperon mouillé. Les éperons, c'est ce qu'ils ont les cow-boys à leurs bottes. Je suis pas cinglée, non? Dites-moi si je suis folle. Hop, une petite gratteuse, on ramasse ça, on va vous mettre du foin, foin, foin. Tac. Hop. Hop, allez, salut les poulettes. On va aller voir Marguerite, qui apparemment est un garçon. Si j'ai bien compris le truc. What? Donc, il y avait eu du bruit pendant la nuit dernière. C'est quoi ce truc? Votre pioche n'est pas assez solide pour briser ceci. Donc, il faut qu'on arrive à la mettre en or, je pense. Mais c'est quoi ce truc? C'est what the fuck? Là, on va se croire dans une autre dimension, là. Ça y est, là, on va se croire dans X-Files. J'ai trop regardé la télé. Je sais. Bon. Alors, toi, ma petite madame. Une petite caresse. Non, c'est juste âge un mois. Autoriser la reproduction, vendre, déménagement, ok. Et comment je fais si je veux la traire? Parce que j'aimerais bien avoir du lait de la part de Marguerite. J'aime pas trop ça, vous voyez. Je crois que ça pue le roussi. Hop! Ça, on le met là-dedans. Alors, est-ce qu'on a des choses aux arbres? Hein? Ah ouais, bah eux, ils sont morts de chez mort là, pendant l'hiver, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Bon, bah écoutez, je ne sais pas en vrai. On retourne à la mine? Ah, j'aimerais bien avoir plus d'or du coup. Ah, attendez, on a un courrier aussi. Ah, il faut que je l'amène à Gunther. Ok. Bon, on va le garder alors. On va se faire des omelettes. Hop. Mais je pense qu'on va retourner à la mine. Hop. Tac, 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 là. On va voir ce qu'on a comme courrier avant. Alors, monsieur le courrier, j'ai une requête inhabituelle à te soumettre. Peux-tu garder ça pour toi? J'aimerais que tu amènes une améthyste à Emily. C'est sa pierre préférée. Dis-lui que c'est de ma part, Clint. On va accepter. Emily, je ne sais plus qui c'est, par contre. Donc, il va falloir que je regarde c'est qui. Donc, la mine, on va essayer d'atteindre le niveau le plus bas. Pam, j'ai toujours pas trouvé. Lui, j'arrive pas à le voir, le bonhomme. Mystère. Est-ce que j'en ai une d'améthyste? Yes. Eh bah... Hop. Alors, le plan, les amis. Il faut qu'on trouve où vit Emily. Ah bah, elle habite juste là. Bah écoutez, elle va y aller. Ok, donc on va y aller.
Y a rien qui traîne par ici. On se casse. Je vais retourner à l'endroit où on est censé voir le personnage mystère. Je vais vous faire le coup à chaque épisode. Mais j'espère qu'à un moment donné, bah, on va le voir, quoi, ce fichu bonhomme. Et il a fallu vraiment que je sois débile pour pas voir qu'il y avait des traces de pas, quand même. C'est terrible. Je suis plus bête que je ne le pensais. Bon, alors, faut qu'on descende, du coup, pour aller chez Emily. Parce qu'elle habite là où elle habite. Oh, les petits oiseaux. Alors, sur le plan. Donc, elle habite là. Est-ce que c'est dans cette maison-là ou pas? Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, voilà. Donc, on est bien à la bonne maison. Mais elle n'est pas là, la fille. Alors, attendez. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Là, normalement, ça, c'est... ouais, c'est Penny. C'est celle qui a ses gamins. Hop. Bon, bah, écoutez, on va aller à la mine. Ah, quoi qu'il est déjà 11h. Ah, vous savez quoi? On va aller sur la plage. On va aller voir s'il y a des choses à ramasser. Et bah, je vais tenter de pêcher. Donc je vous ferai une ellipse pendant ma galère, pendant la pêche. Parce que très clairement, je vois pas l'intérêt de regarder, de me regarder pêcher. Voilà, on va pas se mentir. Je n'en vois pas l'intérêt. Donc c'est marrant parce que pendant l'hiver, vous voyez, on n'a pas les mêmes choses. Sur la plage, donc là on a toujours les oursins et le corail. Ah bah hop, on a ramassé tout ça. Bon, on va aller vendre tout ça chez notre petit monsieur Willy. Donc on ira en fin de journée chez les demoiselles pour essayer de lui amener son améthyste à Emily. Bon, ok, donc voilà, Willy il est pas là, on peut rien vendre, ok. Alors, je vous fais une petite ellipse, j'essaie de pêcher et je vous montrerai bah, ce que j'ai pu avoir durant cette pêche qui sera fructueuse ou non. Alors, on se retrouve, donc j'ai pêché tout ça, j'ai pêché aussi un jaja cola. Bon, j'ai la moitié, on va dire, des prises que j'ai réussi à avoir avec les hits. Donc je m'améliore, je pense. Enfin, en tout cas, je tente de l'espérer parce que clairement, la pêche va être compliquée. Donc là, on va aller voir chez les filles si elles sont rentrées. Pour pardonner l'améthyste à Emily. Et ensuite, on va passer au centre communal pour voir si on peut déposer certains poissons. Voilà. Histoire de voir ce que l'on peut vendre ou pas. Donc c'est la première maison qui est là. Est-ce qu'elles sont chez elles ? Ouverture 9h-20h, donc ça veut dire... Ah ouais, j'ai mis trop de temps. Ah, flûte. C'est pas une demoiselle qui va au saloon par hasard? On va passer au saloon, voir. Salut, salut. Donc là-bas, c'est Lee, ça c'est Marnie. Elle, c'est qui? C'est Pam, ok. Ça, c'est Caroline, si je dis pas de bêtises. C'est la femme de Pierre. Ah non, c'est Emily. Ah bah. Oh, ma pierre préférée, tu es super. Clint, peu importe où tu l'as eu, elle est sublime, merci. Salut. Ah bah, ça a direct été validé. Il faut qu'on ait un calamar pour Willy, c'est vrai. Ouh. Ça, à mon avis, on l'aura jamais. Hop. Toutoulou, toutoulou. Bon bah voilà, on a vu Emily, ça c'est fait. Alors, on va aller au centre communal. Voir si on peut déposer des petites choses. Salut les Géminos. Bonjour, bonjour. Ah, c'est un brème, c'est pas une sardine qu'il faut déposer. Non. Non plus. Ah, une sardine. Hop.
Ah, ça, c'est un rouget, donc c'est pas le même. Eh, il y a trop de variétés de poissons, là, hein, ça ne va pas le faire, hein. La meuf, elle va s'énerver. Bonjour, je suis en face. Donc ça, du chou rouge, j'en ai pas encore eu. Ah, du pavot, j'en avais il y a un temps. Donc les pommes, j'en ai toujours pas vu une seule de ma vie sur ce jeu, donc écoutez. Et bah voilà, on peut pas déposer les autres poissons. Donc voilà, on est triste. Mais peut-être qu'on va augmenter notre capacité, enfin notre capacité, notre compétence de pêche du moins. J'en serais ravie. Hop, allez, on va aller à la maison. Au moins, on a vu Émilie. Voilà, on a fait deux journées totalement différentes où je vous aurais ellipsé vraiment la pêche parce que franchement, l'histoire avec les hits et tout, enfin, je trouve pas ça très grandiose. Je vais essayer de m'améliorer, donc de temps en temps de pêcher, histoire de m'améliorer et d'augmenter cette compétence de pêche. Ça je vends aussi, ça aussi. Tout ça, on peut vendre, sauf la fleur là. Hop. Donc là, pour la quête des Jumidas, il nous manquera un or, du coup. Ok. Donc. Voilà, c'est ça peut augmenter la santé. Donc pour l'instant, je vais les garder. Et ça, on le met là-dedans. Et bah voilà, écoutez. On va aller faire dodo. On va voir si notre compétence de pêche a augmenté. Et voir bah, combien ça nous a rapporté, tout ça. Ah bah d'accord, maintenant, il dort sur le lit, lui. Ok, tranquille, il fait sa vie. Ok. Je savais pas qu'il était censé dormir sous notre lit. Ah, niveau 1 à la pêche plus une efficacité pardon, de la canne à pêche. Ah, bah c'est bon ça. On a enfin augmenté ça. Bon, bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait deux journées, hein, tout simplement. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Et la semaine prochaine, bah, on verra si on arrive à trade avec Robin, histoire de pouvoir avancer dans le jeu. Donc je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à commenter. Je vous fais des bisous. Bye bye à tous.